Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau direct live Sigma France. Je suis Bertrand Guilleneuf, nous sommes le jeudi 6 mai 2021. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons faire un question-réponse autour du portrait et plus précisément autour des objectifs Sigma utilisables pour le portrait. Comme à notre habitude, eh bien normalement, on va pouvoir accueillir Damien, qui doit être quelque part par ici. Voilà. Bonjour Damien. Bonjour Bertrand. Bonjour à vous tous. Merci de nous retrouver sur ce direct live. Bon, ici c'est soleil sur l'ouest de la France. Et pour toi, c'est comment? Ben non, moi c'est le jour des escargots. Et voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir, côté est de la France, pouvoir être chez soi, voilà, sous la couette, à regarder notre petite intervention. Et alors, on profite pour dire de pouvoir tout de suite aller en bas à droite de votre écran et cliquer sur le bouton pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir être connecté en permanence avec nous. Alors ça, c'est, je crois, sur YouTube et nous sommes aujourd'hui des YouTubeurs. Donc, j'ai oublié ma casquette. Hop, je la mets. Nous sommes YouTubeurs. Vous mettez un pouce et vous cliquez en bas à droite. Allez, on démarre ce nouveau direct live qui est bien sûr rendu possible grâce au Sigma FP. Alors, le FP classique, on va l'appeler, puisque vous savez que depuis quelques temps, nous avons annoncé un nouveau boîtier Sigma, le FPL, avec un capteur plus de 60 millions de pixels. La particularité du FP, bien, c'est que vous pouvez le raccorder directement à votre ordinateur et il apparaît comme un acquisiteur, un périphérique d'acquisition vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Ça vous permet d'avoir une très belle qualité parce que dans le monde de demain, Damien, il faudra avoir une belle qualité pour les réunions commerciales, les négociations en distanciel. Et notre boîtier, alors moi, je l'ai couplé au 35-2 pour une belle qualité, un beau champ relativement large de vision. Toi, tu as mis... J'ai mis un 2470 DGDN en ouverture 2.8 dans la série AR. Voilà. C'est la référence des 2470 en hybride, un produit qui est sorti l'année dernière et qui cartonne actuellement. Et donc, n'hésitez pas à voir votre revendeur pour qu'il vous fasse un kit avec le boîtier plus une optique pour avoir justement un beau portrait lorsque vous ferez vos négociations ou vos réunions commerciales. Alors, Bertrand, je te coupe un tout petit peu. J'ai vu que certains ont déjà pris l'habitude d'aller dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a besoin. Et puis, je fais un gros bisou particulier à Agnieszka qui nous a rejoint. Agnieszka qui travaille avec nous chez Sigma. Bonjour Agnieszka également. Et je crois qu'on peut dire bonjour les filles puisque Nathalie et Catherine doivent nous regarder également. Je les ai eues au téléphone tout à l'heure. On en profite également pour dire bonjour à Frédéric, pour dire bonjour à Renaud qui est derrière nous pour notamment vous suivre sur le chat, envoyer les liens quand il va falloir, bref. Et je vois déjà que Jérôme Champagnat, notre plus fidèle téléspectateur, est déjà présent. Donc bonjour Jérôme. Eh bien voilà, hein, toute l'équipe est réunie en tout cas aujourd'hui pour pouvoir avancer et parler un petit peu, faire un point d'abord sur les actualités qu'on a eues sur les semaines passées et puis ensuite on va dérouler tranquillement tous ensemble autour du thème du jour. Alors, avec la flèche du petit curseur, Damien, si tu veux pouvoir l'enlever, voilà, ouais, parce que la petite souris est toujours placée dans l'image. Bon, il faut qu'on s'habitue, hein, on l'oublie parfois. On rappelle la première actualité depuis le 1er avril, une remise immédiate en caisse pour les boîtiers FP, Damien. Oui, hein, donc ce boîtier qui a maintenant un peu plus d'un an, un capteur 24 millions de pixels, c'est un plein format. C'est pour le rappel, le plus petit, le plus compact boîtier au monde, en monture L bien sûr.
Et pour un boîtier nu, donc une remise de 150 euros immédiate pour vous. Et en kit avec l'optique, le 45 mm f2.8 DGDN Contemporary, une petite optique tout en métal, fabuleuse, qui va avec une remise donc exceptionnelle de 250 euros. Donc les magasins vont bientôt rouvrir. Pensez à vite les réserver. Et puis vous pourrez les récupérer à partir du 19 mai. Et profiter de cette belle promotion. Alors, j'en profite pour rectifier, effectivement, Renaud n'est pas derrière nous physiquement, puisque nous sommes encore en distanciel. Il est dans son bureau à Lille, au siège de Sigma, mais il est derrière son écran. Voilà. Alors, moi, derrière moi, j'ai mis des livres avec les thèmes autour du portrait, avec plein de photographes qui nous accompagnent. Oui, parce que le portrait, c'est un thème très large, et on va le voir dans notre... direct de ce jour, on peut faire des portraits de plein de façons possibles. Et Sigma, bien sûr, chez Sigma, il y a toutes les optiques qu'il vous faut pour réussir différents portraits à votre façon. Dans les nouveautés. On continue les actualités, voilà, avec le 3514 DGDN, la nouvelle référence annoncée par Katsuto Yamaki il y a quelques jours. Il y a quelques jours, et c'est ça. Le nouveau 35 F14 DGDN dans la série Art, qui complète cette gamme qu'on a commencé il y a quelques temps avec le 85 1.4 DGDN, un produit qui est super qualitatif. On va en parler ensemble tout à l'heure, mais déjà Damien Bernal, qui a pu le tester en avant-première, en dit beaucoup de bien. J'imagine que Renaud va mettre le lien pour pouvoir revoir son live et son intervention. On a eu aussi une autre personne, un autre photographe qui a pu le tester, c'est Benjamin Tanto, qui lui aussi en dit du bien. Donc, on vous invite aussi à aller revoir ces belles actualités, en tout cas. Et les liens vont être communiqués par Renaud. Un petit bonjour à Jérôme Lomalier Pitcher, qui nous suit et qui vient de dire qu'il avait acheté son 156 en sport et qu'il attendait ce week-end pour faire ses premières images. Eh bien, bon choix, et on attend de voir ses photos sur le groupe utilisateur Sigma sur Facebook, et peut-être qu'une de ces photos pourra être sélectionnée pour un prochain coup de cœur. Ah, alors, oui. toujours dans la série des replays que vous pouvez retrouver sur la chaîne Sigma France YouTube, c'est les replays qui sont les direct live qui sont animés par toi, Damien. Tu as animé une rencontre avec Saïm Ahmed autour de sa pratique du 35 mm pour le portrait, entre autres. Voilà, dans l'actualité de ces dernières semaines, donc c'est Sam Vision, hein, qui est Saïm, qui lui a eu la chance d'avoir ce nouveau 35 F14 DGDN Art en main. Il a eu de mauvaises conditions pour pouvoir l'utiliser, mais pareil. Allez sur le YouTube, hein. Je pense que pareil, Renaud va remettre le lien et vous pourrez revoir un petit peu l'échange qu'on a eu ensemble. Alors je crois que Saïm était en Sony et tu as reçu juste après, donc je crois que c'est il y a deux jours, hein, mardi, Jérôme Meunier qui lui l'a testé, mais sur Leica, puisque c'est un adepte de Leica. Oui, hein, donc un adepte de Leica qui bosse avec du plein format et puis du M monochrome aussi, mais pour le plein format, ça nous concerne particulièrement. Il possède notre 35 F1.2 hein, en série Art, et il en dit du bien, et vous pouvez retourner sur ce live, parce qu'il est très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses, notamment de tirage papier, etc. Voilà. Mais lui aussi a eu cette chance de pouvoir avoir en avant-première le nouveau 35 1.4 en série Art. Et pareil, vous irez voir, je vous en dis pas plus, mais il a été subjugué. Donc, c'est tout pour les actualités de ces derniers jours. Et on attaque la première question générale. Quel objectif portrait pour mon boîtier, et notamment pour les réflexes
plein format. Je crois que l'on commence par le réflexe plein format, tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Hein, alors, à savoir aussi que quand on a préparé ce live, on s'est posé pas mal de questions, Bertrand, moi et puis Renaud, bien sûr, on se disait, est-ce qu'on met en avant un cours plutôt théorique sur la prise de vue pour apprendre à faire du portrait? On n'a pas cette prétention-là. On pense et on imagine qu'on fera aussi un live avec un vrai photographe, un pro, qui pourra venir en parler et plus expliquer comment lui s'y prend pour faire un joli portrait. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on voit les livres que j'ai derrière moi, chaque auteur, chaque photographe a son œil, a sa passion, sa patte, sa sensibilité, et qui va faire un portrait à sa manière. Quand on pense à JR qui fait du portrait au 28 mm en déformant vraiment les visages, quand on prend un Salgado qui fait des portraits comme ça très posés, quand on a eu Sam Vision qui a fait du portrait flou la semaine dernière avec le nouveau 35, des modes différentes, des façons de faire différentes. Et aujourd'hui, avec Bertrand, on est là aussi pour vous conseiller sur les optiques, puisque le 19, on va être un peu plus libre et on va retrouver un petit peu ses amis, sa famille, et ce sera le moment de se mettre en action pour faire de beaux portraits, en tout cas. Tu as aussi reçu, donc c'était fin avril, Gardère et Domaine, donc, qui ont expliqué leur façon de travailler. Alors, eux, avec un boîtier Canon, mais ils utilisent toutes nos optiques en Sigma via la bague R fournie par Canon, et ça marche parfaitement. Et eux ont une approche du portrait, entre autres, à travers la photo de mariage. Voilà. Hein, et on avait déroulé quelques belles images qu'on a resélectionnées ensemble, où on voit des beaux moments pendant les mariages, pendant ces cérémonies, pendant ces beaux moments de fête. Alors, ils expliquaient qu'ils travaillaient avec du 35, du 50, du 85, du 135, un peu toutes les focales en fonction, comme ils travaillent à deux, ce qui leur permet des fois, comme on l'a vu dans la photo précédente, d'être vraiment très proche du sujet ou plus éloigné et d'avoir des points de vue différents, ce qui montre bien qu'on peut faire du portrait avec, entre guillemets, presque toutes les optiques. Ouais, puisqu'ils utilisent le 14-24, c'est le seul zoom pour l'instant qu'ils utilisent en ouverture de 8. Et puis sinon, après, ils passent du 20 mm. Ils ont toutes les optiques après, hein, je pense, c'est le 20, le 28, le 35, le 50, le 85 aussi. Ils ont le 135, le 105 aussi, il me semble qu'ils ont. Enfin voilà, ils ont toute la panoplie pour travailler à deux et toujours les deux dans le nez. Bien sûr, Gardère et Domaine n'utilisent pas le 180 macro DGDN, monsieur Jérôme Champagne. Mais on est taquin. Voilà, des portraits, vous voyez, tous les styles de portraits sont imaginables. C'est vous avec votre œil. Surtout en cette période, comme l'a dit Damien, de retrouvailles, vous allez pouvoir photographier papy, mamie ou les petits-enfants, puisque ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu en direct. On s'est vu en vidéo, mais là, ça va être en présentiel. Donc, vous allez pouvoir sortir vos photos, vos appareils photo, vos optiques Sigma et nous faire de beaux reportages. Par exemple, comme l'a expliqué Émilie Zangarelli avec son introduction à la photo familiale que tu as animée avec elle en mars ou début avril, je ne sais plus exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, où elle expliquait aussi que Renaud va remettre le lien si vous voulez revoir le live. C'était un moment très sympathique où elle explique comment elle accompagne ses modèles pour réaliser ces jolis portraits en utilisant bien sûr nos optiques Sigma. Et elle, par contre, elle est à 100% sur de la focale fixe, du grand angle jusqu'au télé, et qu'elle l'utilise aussi bien sûr de l'éclairage, elle en parlait, et elle réalise aussi elle-même ses fonds en peignant des fonds sur des toiles, etc. Et voilà le beau résultat. Un très très beau portrait là. On dirait presque une peinture. Très bel éclairage, très beau portrait, très belle douceur.
Et ça, c'est le rendu des optiques Art. Et c'est ce que signalent en général quand même les photographes qui travaillent avec les objectifs Sigma et les focales fixes Art, par exemple. C'est la standardisation, entre guillemets, entre toutes les focales. Ils retrouvent exactement la même colorimétrie, le même rendu, ce qui leur permet d'avoir une unité lorsqu'ils rendent un reportage ou une série de photos. Et donc, il y a une unité dans leur travail grâce aux optiques Sigma. Et ça, c'est un point très appréciable. Et voilà, une belle photo titrée « À cheval sur mon bidet ». Voilà. Tout en oui, elle est très réputée pour justement toutes ces mises en scène un peu des bébés, et puis également un travail autour de la piscine qui l'a fait connaître, et c'est vraiment du très très beau travail. Voilà, avec toujours un joli travail de lumière et dans des drapés comme ça qui caractérisent son travail. Que ce soit, c'est Lara Fabian, non ? C'est Lara Fabian. Non, c'est sa sœur. Mais voilà, que ce soit comme ça en studio ou dans l'eau, où elle expliquait aussi qu'elle faisait appel à des maîtres nageurs au cas où. Donc voilà, donc, toujours de belles lumières en tout cas, captées par nos optiques. Avec un bout de diptyque. Et voilà, donc là, on va défiler maintenant un petit peu, refaire la revue des optiques qu'on a sélectionnées. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, certains photographes comme JR prennent du 28 mm. On pense aussi à Jean Loussiev qui utilisait en Leica un 21 mm avec, pour faire du portrait. Votre style voilà, est là et vous pouvez créer. Il n'y a pas de limite, mais en tout cas, nous, on s'est concentré sur des optiques qui sont plus familières, plus classiques en général autour du thème du portrait. Et on commence donc par ce fameux 35 mm 1.4 DGHSM en monture Nikon. Donc, ce 35 1.4, bah, c'était le début de l'histoire Sigma Art. Puisque en 2012, Katsuto Yamaki a pris la suite de son père, Michihiro Yamaki, et a renouvelé entièrement, a redéfini la gamme Sigma, qui avant était entre les EX et les non-EX. Et aujourd'hui, il a créé la gamme Sport, la gamme Art et la gamme Contemporary. Et le 35-1.4 a été la première focale fixe qui est sortie dans la gamme Art, qui est devenue la référence mondiale du 35. Et vraiment, on n'a même plus besoin de le présenter tellement les gens disent du bien, aussi bien sur les réseaux sociaux que quand on rencontre les photographes sur des salons. Exactement, hein. C'est vrai qu'on avait fait régulièrement, Renaud avait mis en place pendant le salon de la photo ce bel événement, à des événements où on faisait venir, on donnait rendez-vous à des jeunes photographes qui utilisent cette optique-là, et on a réussi à avoir des centaines de personnes qui les suivent et qui sont venues écouter un petit peu leur travail et leurs conférences, et c'était des moments très sympathiques à vivre, et j'espère qu'il y en aura d'autres prochainement. Dans le monde d'après, on espère qu'on aura toujours des salons. Exactement. Alors, le 51-4, alors bien sûr, c'est toujours l'éternelle petite bagarre entre les adeptes du 35 et les adeptes du 50. Là, c'est chacun fait comme il veut. Mais le 50 est devenu aussi la référence des 51.4 dans le monde de la photo. Après, on a aussi donc il n'y a pas que de la focale fixe hein, pour réaliser aussi du portrait, et notamment en reportage, nombreux photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vont passer plutôt par des zooms et des zooms plutôt lumineux comme du 24-70 f/2.8 stabilisé en ce moment, ce qui va permettre de gagner des stops et d'être plus à l'aise dans son travail. Mais aujourd'hui, utiliser un zoom est aussi une bonne idée puisque c'est plus facile, plus rapide pour réaliser de belles images. Je vois que certains demandent des optiques Sigma Canon RF, et juste avant, alors qui a demandé ça, je vais revoir si je peux y arriver, qui a demandé ça, c'est Christian Winday qui attend des versions Canon RF, et juste au-dessus, il y a Bastien Juif qui nous disait bonjour, donc on le salue,
Eh bien, Bastien, tu es un juif, tu as animé un direct live avec lui où justement, il a testé nos optiques Sigma monture Canon avec les Canon R et il a dit que ça marchait très, très bien. Oui, il avait pu avoir la chance de passer par le magasin Profot à Lille et qui avait mis en main un boîtier Canon, le R5, le plus haut de gamme dans la série hybride à ce moment. Et puis, il avait la bague de Canon qui permettait de mettre en place toutes nos optiques. Et on lui avait mis en main toutes les optiques qu'il affectionne particulièrement, du 100-400, du 150-600, le 60-600. Le 500 mm et peut-être le 120-300, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il voulait tester un petit peu la réactivité sur des oiseaux en vol, sur de la photo animalière, et il en a dit du bien. Donc, merci Bastien, et puis en espérant d'avoir d'autres rendez-vous avec toi. Donc, le 24-70, c'est une optique plus polyvalente, bien sûr, qu'une focale fixe, mais qui va vous permettre de faire du portrait au 24, au 35, au 50, au 70, vraiment facilement. Donc, c'est une photo, une optique peut-être pour les un petit peu moins spécialistes de la focale fixe, donc pour les autres, eh bien, le 24-70 fait le job, notamment par exemple pour les mariages, un beau nombre de photographes longs, tu l'as dit tout à l'heure. Une autre optique qui fait rêver beaucoup, beaucoup de photographes, et tout à l'heure, je ne sais plus le photographe qui dans le chat qui disait et le 85, quand on commençait à évoquer le thème, bien sûr que c'est, si on posait la question à un panel de photographes, je pense que la première réponse, quand on dit pour faire du portrait, il faut quoi, je pense qu'il y a au moins 60 ou peut-être 70% de personnes qui diraient le 85, mais là aussi, il y a des effets de mode. Aujourd'hui, on voit que des jeunes photographes, mais pas que, puisqu'il y en a dans mon dos, et je l'ai dit tout à l'heure, qui utilisent des focales plus larges pour pouvoir inclure effectivement du paysage ou un mur, enfin un décor, pour donner aussi une lecture autre que le portrait tout simplement. Mais voilà, ce 85 est extraordinaire. Il fait partie des meilleurs 85 sur le marché actuellement. Il ouvre à 1.4 et il est fabuleux. Il a un bokeh vraiment, vraiment très prononcé et très crème. Quand on parle du 85, on parle après du 105 1.4 DG-HSM, donc surnommé le maître du bokeh, puisque là, c'est vraiment une optique exceptionnelle sous tous ses aspects, n'est-ce pas, Damien ? Oui, le 105 a une lentille frontale phénoménale, 105 de diamètre, 105 mm, mais qui permet d'avoir un bokeh vraiment extraordinaire. Elle est énorme en tout, cette optique-là, mais vraiment, j'ai toujours plaisir à proposer cette optique en test à quelqu'un qui vient me voir sur un salon quand on discute, et je suis sûr de lui mettre des frissons et lui donner envie de se l'offrir, parce que c'est vraiment l'optique que je trouve qui a le petit plus que n'ont pas forcément les autres. Tout à fait, moi j'ai un souvenir du dernier salon auquel j'ai participé. C'était en mars 2020, avant le Covid, au tout début du Covid, le salon des photographes de l'Ouest à Château-Giron avec mon ami Fabien de Images Photo à Rennes. En hommage, j'ai mis le drapeau de l'équipe de rugby, le maillot de l'équipe de rugby de l'Ouest, de Bretagne. Et ça va être le premier salon normalement auquel je vais participer, puisque la date est fixée au 13 et 14 juin prochain, toujours à Château-Giron, à côté de Rennes. Vous retrouverez. Alors c'est un salon réservé aux photographes professionnels, aux photographes dont c'est le métier. Et en 2018, on a vendu un 105 1.4 à un photographe. Oh, il est un peu lourd, il est un peu gros. Et puis l'année d'après, quand il est venu, non, c'était en 2019, quand il est revenu, donc l'année dernière, en 2020, il m'a dit, il est vraiment tellement bon que je le garde en permanence sur mon boîtier. De toute façon, il y a un collier de pied, donc on peut toujours le mettre sur un trépied ou sur un monopode. Mais vraiment, il reste parce qu'il est vraiment fabuleux. Et après, on peut recadrer l'image comme on veut, tellement la qualité est exceptionnelle. Donc, c'est vraiment
une optique remarquable. Et puis, on n'oublie pas, du coup, le 135 F18DG HSM dans la série AR qui complète le tableau des focales téléobjectifs qui permettent de réaliser aussi de très beaux portraits avec un bokeh qui est somptueux à chaque fois. Et c'est quand même quelque chose de phénoménal, ce 135, produit que nombre de photographes en spectacle, vous l'utilisez en concert, hein, voilà, parce qu'on est toujours un petit peu plus loin de la scène et si on veut cadrer un petit peu serré pour justement tirer le portrait du guitariste, du chanteur, de la chanteuse, et ben voilà, on arrive à sortir avec le 1.8, récupérer de la lumière qu'il faut pour faire la belle image et avoir un bokeh incroyable. Donc le 85, le 105 et le 135, entre guillemets, ce sont les focales classiques, traditionnelles du portrait. Mais comme on l'a vu dans les différents photographes que tu as reçus dans les directs, la nouvelle génération notamment, bah, n'hésite pas à prendre du 35, n'hésite pas à ouvrir les angles. Donc voilà, chacun peut s'y retrouver, chacun peut trouver l'optique qu'il lui faut dans la gamme Sigma Art concernant son réflexe. On n'oublie pas quand même. Pour les photographes plus familiaux, hein, plus amateurs, par exemple comme moi, le 105 28EX DGOS HSM, que vous connaissez parce qu'on l'a présenté dans les directs consacrés à la nature, à la macro, eh bien, il peut également très bien vous servir pour le portrait. Et donc, c'est un produit qui est vraiment très abordable au niveau coût et qui va vous permettre déjà de faire du portrait de très belle qualité. Exactement. Et puis ici, on ne fait pas que du portrait, ben on peut aussi s'initier à la macro avec cette optique. Et c'est l'avantage de ces optiques-là qui permettent de réaliser beaucoup de choses. Alors, on est bientôt le 19, date de réouverture des points de vente. Vous avez donc encore à peine 15 jours pour vous décider sur l'optique que vous allez acheter pour cet été. Eh bien, vous avez vu un peu le panel qu'on peut avoir chez Sigma au niveau des optiques pour le portrait. Vous allez pouvoir demander à la communauté sur notre groupe utilisateur Sigma Facebook. Eh bien, vous allez pouvoir demander si tu peux passer la slide. Oui. J'attendais, j'allais répondre à Philippe qui demande si Thomas Pesquier utilise des optiques Sigma dans sa station si exiguë et lesquelles. Et Renaud a déjà répondu le 50-500, oui. Mais j'avais vu aussi qu'il utilisait du 800 mm, le 300-800 aussi. Et par contre, je ne sais pas s'il utilise notre nouveau 500. Mais voilà, on l'invitera peut-être sur un live. L'avantage, c'est que dans sa station spatiale, il n'y a pas d'apesanteur. Il est en apesanteur, donc il peut prendre un 300-800 en le tenant entre deux doigts, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, le 500 de 8. Ouais, je disais donc que si vous hésitez encore sur le choix d'une optique, n'hésitez pas à demander conseil auprès de la communauté des utilisateurs Sigma sur Facebook. Il y a plus de 9000 abonnés. Et dedans, il va y avoir au moins un photographe qui a l'optique que vous souhaitez acheter. Donc, il va pouvoir vous faire les remontées de son utilisation dans la bienveillance, dans le respect. Et on se rappelle le petit challenge qu'on s'est donné, Damien, 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, on a déjà franchi la barre des 9 000. Vous pouvez raboter vos amis photographes et ou personnes qui veulent s'intéresser à la photo et qui veulent éventuellement en faire, qu'ils viennent s'inscrire sur Facebook utilisateur Sigma et vous aurez et on va atteindre les 10 000. Alors après le réflexe plein format, le réflexe APS-C, Damien. Oui. Hein. Donc, on a aussi une belle sélection d'optiques où on trouve le 18-35 hein, qui ouvre à 1.8, le DC HSM dans la série AR, une optique qui est extraordinaire, qui fait rêver de beaucoup, beaucoup de photographes, que ce soit en photographie, mais aussi en vidéo, puisqu'il excelle aussi en vidéo. C'est un produit qui est vraiment extraordinaire, que je conseille, hein, puisqu'il n'est pas très très cher, il est sous la barre des 800 euros. Faites-vous plaisir, vous avez une optique idéale
pour vous régaler à faire de jolis portraits de famille ou professionnels. Et c'est donc un équivalent 27-50 en gros, hein, avec le coefficient APS-C. Et donc, ça va vous permettre de balayer la gamme entre 28, 35, 50. Donc, vous avez avec cette optique trois grands angles, hein, trois optiques qui vont vous permettre de faire du portrait. Je précise également qu'il est très utilisé par les vidéastes. Donc, et il a également un grand frère, je crois, en 1.8, parce que l'avantage de l'1.8, hein, je le rappelle également, c'est que sur un APS-C, techniquement, on perd des effets de profondeur de champ de par le système APS-C. Et bien, avec l'ouverture 1.8, on va récupérer une partie de cet effet de profondeur de champ en limitant la profondeur de champ. Donc, pour le portrait, c'est intéressant. Et on a également son grand frère, le 50-100. Oui. Et pour répondre à la question de Ludovic qui demande ce qu'il donne en paysage, ce fameux 18-35, c'est extraordinaire. Beaucoup de photographes l'ont à demeure, hein, du coup. Donc, voilà. Courez l'acheter si ce n'est pas déjà le cas. En photo astro aussi, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui l'utilisent quand ils sont en APS-C. Oui, pour faire de la voie lactée, par exemple. Et puis, le 18, hein, c'est un équivalent 24, c'est parfait pour le paysage. On a une autre optique, et là, on revient sur de la focale fixe. Tout à l'heure, on parlait du 50 mm 1.4 en réflexe. Voilà un petit peu son homologue, le 30 mm 1.4, qui, sur de l'APS-C, correspond à du 50 mm. Une focale que j'apprécie particulièrement. La jeune génération aussi l'aime bien. Ça veut peut-être dire que je suis toujours jeune, hein. Mais en tout cas, il est compact, il est léger et il est très abordable en prix. Ça vous fait un beau 50 mm sur votre boîtier APS-C en équivalent. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que tu es plus jeune que moi, en tout cas. Et c'est vraiment l'optique que l'on va conseiller justement aux jeunes photographes qui veulent leur première optique focale fixe. Eh bien, le 30-1.4 sur un APS-C va être parfait. Il est léger, peu encombrant, compact, d'un rapport qualité-prix excellent, puisqu'il est autour des 500 euros. Et avec ça, bah, vous allez pouvoir déjà vous initier à la focale fixe. Et comme tu le dis souvent, un zoom, c'est vous qui déplacez le sujet, alors qu'avec une focale fixe, c'est à vous de vous déplacer par rapport au sujet. Voilà, ça permet de déguiser son œil, d'apprendre à cadrer et de faire peut-être un peu moins de photos, mais de belles photos et de s'améliorer de jour en jour, en tout cas. Et je crois que c'est Saïm, donc hashtag SamVision, qui disait que ça lui avait beaucoup apporté dans la pratique de la photographie d'avoir le 35-1.4 sur son appareil. Voilà, lui il bosse au 35-1.4, hein, puisqu'il est en plein format, mais c'est une optique qu'il a quasiment à demeure, en tout cas. Donc, retournez voir son live, il en parle vraiment bien. Alors, en APS-C, on a donc également un petit zoom, le 17-70-284 DC Macro OS HSM dans la gamme Contemporary. Et là, c'est un produit qui s'adresse au photographe familial par excellence. Oui, voilà, et ça permet d'avoir une très, très belle optique de qualité qui a un très bon piqué, qui a une mise au point mini à 22 cm, ce qui va permettre de faire un petit peu de la macro, alors c'est plutôt de la proxy photo, mais ça permet de faire des fleurs, du détail. De 17, on est au grand angle, on va pouvoir faire la photo de famille, et puis au 70 mm, ce qui est équivalent sur un APS-C à un 105 mm, vous allez pouvoir réaliser de jolis portraits d'un peu loin, comme ça, cadrés, et c'est sympathique. Je sais que c'est une optique que toi, tu aimes bien, Bertrand. Oui, je l'ai utilisé encore la semaine dernière puisque j'avais quelques jours de vacances et j'avais la chance d'avoir mon petit-fils à la maison, donc j'ai pu faire des photos. Et justement, quand votre enfant est dans le jardin en train de jouer, vous pouvez avec le 105 faire un plan serré sans qu'il s'aperçoive que vous prenez la photo. Et vous pouvez également faire un plan large quand vous le ramenez à 24. Donc, c'est vraiment l'optique idéale pour les retrouvailles familiales qui vont avoir lieu à partir du 19. Vous pouvez aussi bien prendre en intérieur qu'en extérieur, un groupe qu'une personne seule, en portrait, voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne optique. Qui est la première zoom, c'était à son époque le premier zoom qui était en 2.8,
hein, qui ouvrait à 2,8. Alors, ce n'est pas un 2,8 constant, mais qui ouvrait à 2,8 à 17. Et c'est le premier zoom qui a été, où on a utilisé un composite stable thermiquement. Donc, c'est un polycarbonate qui a les propriétés proches de l'alu et qui permet de faire des montages très serrés avec des jeux de fonctionnement faibles sans problème, et donc qui permettent d'avoir une excellente qualité, comme tu l'as dit, de piqué au niveau de la photo. Et toujours dans un prix abordable, à moins de 500 euros. Et bah, comme pour les optiques plein format, vous allez sur le groupe des utilisateurs Sigma pour demander des conseils ou des critiques. Hein. Il n'y a pas de souci, nous on ne contrôle pas ce groupe-là. Il s'autogère et on est toujours preneur, y compris des remarques, puisque c'est comme ça que l'on fait progresser en remontant directement au Japon vos remarques pour améliorer autant que faire se peut les optiques qu'on vous propose. Alors, portrait pour un hybride APS-C ou un micro 4 tiers, on va dire, sachant que l'hybride, c'est vraiment ce qui a le vent en poupe en ce moment, Damien. Oui. Maintenant, Katsuto Yamaki a bien dit qu'il mettait toutes ses forces à développer pour les hybrides, qu'ils soient en petit format ou en grand format, mais on va développer un petit peu maintenant toute la gamme. Alors, on n'oublie pas le micro 4 tiers où on retrouve Olympus et Panasonic. On a la série des Sony où on est en APS-C, hein, donc c'est toutes les séries 6000, 6005. On a chez Canon une gamme qui est en APS-C et qui est en la monture EFM. Et on a la Helmont avec chez Leica les montures CL. Et on retrouve donc la nouveauté avec le 30 mm 1.4 DCDN Contemporary qui est très très compact, qui est léger, qui a une ouverture très lumineuse hein, en 1.4 qui va permettre d'avoir de jolis bokeh. Moi, ce que j'apprécie beaucoup en utilisant ces optiques-là, c'est la douceur de la bague de mise au point, la fluidité, ni trop dur, ni trop molle, quelque chose qui est idéal, et notamment pour ceux qui font de la vidéo, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et donc là, on rappelle que 30-1.4 en APS-C, ça fait un équivalent 45 et un équivalent 60 en micro-capture. Je vois, et le 50-100, oups, oublie impardonnable, mais on l'a bien dit le 50-100 1.8, t'as dit le gros. Oui, on en a parlé, on l'a pas mis en photo parce que on peut pas mettre tout, autrement on va mettre toute la gamme de nos optiques, mais on en a parlé, on a dit que c'était le grand frère du 18-35 1.8, le 50-100, donc un équivalent 75-150, 70-150 en gros, et qui est vraiment excellent. Donc, est un peu plus, on va pas se cacher, hein, qu'il y a des ventes un petit peu moins élevées que le 18-35 parce que c'est quand même une focale un peu particulière. Même en APS-C, les photographes aiment bien, par exemple, avoir un 70-200. Même si sur un plein format 70-200 va donner un 105-300 sur un APS-C, mais ils ont un peu de mal à mettre une optique 50-100 alors que c'est vraiment une très très bonne optique. Et j'ai vu, alors je n'ai pas retenu le nom, mais j'ai vu que dans le chat, il y a quelques photographes qui le possèdent. Oui. Voilà. Cette petite gamme contemporary là, dont tu parles, le 30 et le 56, c'est vraiment aussi pour les adeptes de la compacité. Hein. On a vu le 18-35 est un peu plus gros, on a vu différentes tailles d'objectifs, mais là, cette gamme-là, la gamme contemporary, le 16, le 30 et le 56, sont vraiment des optiques très compactes. Pour les adeptes de la discrétion. Voilà, discrétion, voyage léger, ou possibilité d'être après monté sur des drones pour aller faire des photos en prise de vue aérienne. Donc, des produits qui sont très, très bien construits, qui sont optiquement extraordinaires et qui sont très lumineux. Et attention quand même avec les drones, vous n'avez pas le droit d'aller n'importe où et surtout pas d'aller faire la photo du voisin ou de la voisine par-dessus la haie de votre jardin. Donc
tout n'est pas permis avec un zone, avec un drone. Malheureusement, par expérience ou en vacances, on voit des fois des zones, des drones voler sans toutes ces précautions. Voilà. Hein, donc quelques images qu'on avait déjà montrées sur d'autres lives, mais qu'on a repris parce qu'elles sont bien parlantes, des images qui ont été réalisées avec du 30 mm ou du 56 mm. Alors, on nous a fait remarquer qu'on avait peut-être oublié le 50-100. Hein, effectivement, on en avait parlé. Et là, c'est pareil, dans cette gamme-là, il y a également le 16-1/4, donc qui peut faire sur un micro 4 tiers un équivalent 32. Donc, qui peut éventuellement aussi servir pour du portrait. Bon, ça va être un équivalent 16 et 8, 24 en APS-C. Bon, là, on est déjà dans une focale un peu plus extrême pour le portrait. Mais voilà, c'est une triplette que toi, tu as mis en scène dans un petit film, il me semble, l'année dernière, lors du premier confinement. Et c'était pas mal. La triplette Sigma Contemporary, DC-DL. On est en train de rebosser un peu dessus pour customiser tout ça et puis vous le reproposer un petit peu plus tard dans l'année. Et j'ai une petite pensée aussi quand tu disais donc le 24 mm un peu plus délicat pour du portrait. Je pense à Camille Bracelet, une jeune photographe lyonnaise qui utilise du 24 elle sur du plein format en boîtier Canon et qui excelle, qui fait de voilà, c'est une auteure et elle sera avec nous en fin de mois. On vous fera un petit signe pour vous dire quand on fera un petit live. Mais voilà, elle travaille beaucoup le portrait au 24 mm aussi. Oui, la jeune génération aime bien casser les codes et donc utilise des optiques peut-être un peu différentes de la génération dont moi je fais partie. Voilà, un très beau portrait qui ne manque pas de peau. Ah bon, on l'a mise pour montrer justement qu'à 1/4, on a un bokeh qui est extraordinaire et une netteté qui est toujours présente. Donc là, on le répète, cette ouverture 1/4 permet de récupérer des effets de profondeur de champ qui sont vraiment absents, alors encore plus sur un micro 4 tiers, et qui sont vraiment limités sur un APS-C classique. Là, pareil, le téléphone, alors tiens, je vais peut-être essayer pour changer un petit peu, je vais essayer de mettre temps. Voilà, pour gagner un peu de taille sur ces photos. Donc là, on voit que le téléphone est flou, mais que le visage est net. Et c'est pareil pour la photo que tu montrais juste après. Voilà, regardez le. Ah, tu vas trop vite. L'œil droit est net, alors que l'œil du fond est flou. Derrière le nez, c'est flou. Voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, avec une belle lumière latérale comme ça qui vient sûrement d'une fenêtre. Donc là, ça doit être fait au 56, celui-ci. Oui. Donc voilà pour les hybrides APS-C ou micro 4 tiers. Et on arrive au cœur du marché aujourd'hui, puisque alors je ne sais pas si la crise sanitaire a été accélérateur de changement. Mais c'est vrai que l'hybride, aujourd'hui, c'est vraiment c'est devenu la norme en photo, en matériel, en boîtier en tout cas. Et donc, on va continuer avec quel objectif portrait pour mon hybride plein format. Et donc, pour rappel, aujourd'hui, nous, on a développé une grande gamme, notamment en monture Sony E et en monture L-Mount. On sait que tout le monde réclame maintenant de plus en plus d'autres montures chez Canon ou chez Nikon en hybride, en espérant y répondre favorablement le plus vite possible. Et pour l'instant, on va se recentrer sur les montures existantes, la Sony E et la L-Mount. Je t'interromps parce que si vous allez voir ce que dit Damien Bernal sur un de ses derniers lives, justement où il parle de la stratégie de Sony d'avoir ouvert sa monture alors que Canon, Nikon ne l'ont pas ouverte. C'est une analyse un petit peu intéressante. Et bien sûr, il parle de Sigma puisque Sigma propose des optiques pour Sony, bien sûr. Voilà, avec ce fabuleux 35 mm ouverture 1.2 DGDN en monture en gamme AR, une optique que Jérôme Meunier possède et qu'il utilise lui sur son boîtier Leica. Nombre de passionnés du bokeh crémeux, vont passer sur du 1.2 pour avoir justement cet inimitable
douceur dans le bokeh. Voilà, faites-vous plaisir avec ce joli 35 qui en impose. Et on va le voir sur les photos suivantes. Voilà, vraiment très smoothie, comme on dit. Vraiment très crémeux. Voilà. On aurait pu reprendre une photo qu'a réalisée Jérôme, mais bon, retournez voir sur le dernier live qu'on a fait avec lui autour du 35 1.4, mais voilà, il a fait aussi une photo 1.2 puisqu'il le possède. Vous irez voir un petit peu tout ça. Alors, je rappelle quand même pour éventuellement les téléspectateurs qui ne sont pas assidus à nos directs ou qui viennent pour la première fois, eh bien, sur les réseaux sociaux, moi sur YouTube, on a la chaîne Sigma France et sur Facebook, on a la page Sigma France où toutes les vidéos ont été sont mises en replay par Renaud. Je crois même que sur les dernières, maintenant, il fait un séquençage donc qui vous permet de retrouver plus facilement le sujet qui vous intéresse dans l'heure, entre guillemets, que l'on passe sur un direct. Et vous allez pouvoir revoir en vous rappelant que ça fait un peu plus d'un an, puisqu'on a commencé en mars 2020 de faire des directs, et on en fait au minimum 2 par mois. Donc, vous voyez la somme d'images et la somme d'informations que vous pouvez avoir dans ces replays. Donc, n'hésitez pas. Un temps comme aujourd'hui, là, quand il pleut, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est toujours instructif. Photo suivante. Et bien voilà, donc on arrive au cœur de l'actualité. On l'avait annoncé en début de live, Bertrand, où là, on propose maintenant un produit, une nouvelle optique qui va arriver autour du 15 mai, donc pour la réouverture, on va dire, de tous les magasins, de tous vos centres premium Sigma. Produit qui fait le cœur de l'actualité, 1.35 F1.4 DGDN en série art. Un produit qui existe, donc ce qu'on disait tout à l'heure, en monture Sony et en L-mount. Hein, donc la L-mount pour Leica, Panasonic et bien sûr notre boîtier FP et le dernier FPL. Pour un petit clin d'œil, hein, donc c'est bien un 61 millions de pixels. Et aujourd'hui, on a dans cette nouveauté pas mal d'améliorations. Alors, on a amélioré la qualité optique. Oui, avec. Juste avant, je précise bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les optiques réflexes grand plein format. Que le 35 avait été la première optique sortie dans la gamme Art focal fixe en 2012. Et donc là, en 2021, on réinvente le 35-1.4 pour les hybrides. Et bien sûr, on y a apporté toutes les améliorations possibles qui fait que ça va devenir la nouvelle référence du monde de l'hybride plein format avec une très belle qualité optique améliorée, une compacité plus grande, une mise au point automatique et de nouvelles caractéristiques que tu peux détailler un petit peu, Damien. Oui. Hein, donc, au niveau de l'amélioration optique, les ingénieurs ont encore réussi à améliorer le contraste et c'est souvent ce qu'on aime bien dans la photo cette résolution qui est sur les bords de l'image. On a beaucoup moins d'aberrations chromatiques longitudinales et pour les amoureux de la photo astro, je pense que ce sera une belle référence puisqu'ils ont réussi à annuler le phénomène de la coma sagittale, hein, ce qui permet de voir, enfin, ce qu'on voit souvent, c'est sur les bords de l'image où les étoiles ont l'air de tourner, d'être pas très très jolies. Donc là, elles seront bien nettes et ça, c'est intéressant. Notamment pour les photos de la Voie lactée, comme nous le précise Jérôme Champagnat. Voilà, donc l'optique aussi est un peu plus compacte que la version précédente, et notamment en poids, puisqu'on est tombé à 645 grammes, et avec un autofocus beaucoup plus rapide, une nouvelle génération d'autofocus, et on retrouve les détections des yeux et des visages, et ça aujourd'hui c'est important dans le travail de photos et de vidéos. Oui, c'est vraiment le 35-1.4 revisité, adapté aux nouveaux boîtiers que sont les hybrides, qui amènent quand même des plus, notamment sur l'AF, le suivi
etc., suivi du sujet. Donc, cette optique, c'est vraiment une nouvelle optique. Hein, ce n'est pas juste une transformation, c'est vraiment une nouvelle formule optique et une nouvelle optique au niveau interne aussi, qui vous permet d'avoir un produit très, totalement adapté à votre boîtier hybride Sony ou en Helmut, Panasonic, Leica, Sigma. Voilà. Et puis, en nouvelles caractéristiques techniques, ont été améliorées aussi la protection contre la poussière et le ruissellement. Vous pouvez l'utiliser dans toutes les conditions aujourd'hui. Alors, nous, on ne dit pas tropicaliser, hein, puisque la tropicalisation est un terme très commercial. Nous, on dit résistant à la pluie et résistant à l'eau et résistant à la poussière. Sachant que de plus en plus, nos optiques ART bénéficient de ce traitement, comme l'étaient déjà les sports depuis toujours. Voilà. Hein, donc aujourd'hui, donc, si on voit les plans de coupe sur les photos ici, on voit qu'on a donc sur ces nouvelles séries d'hybrides, on met maintenant la bague de diaphragme, une bague de diaphragme accessible sans passer par le boîtier, à crantage, qui peut être décranté, et ça c'est intéressant quand on fait de la vidéo pour éviter le petit bruit du clic-clic. On peut aussi bien sûr la verrouiller. On remarque qu'on a mis aussi sur cette nouvelle optique le système de notre nouveau système du verrouillage du pare-soleil, avec ce petit lock qui permet effectivement de le verrouiller à 100% et d'éviter de le perdre s'il est mal installé. Je t'interromps juste parce qu'il y a Dave Alf qui nous dit qu'il utilise le 35 ART en mariage, oui, et qu'on est en train de lui dire que le nouveau Sigma serait pertinent pour mon EOS R6. Alors, ce n'est pas le nouveau Sigma puisque le 35 1/4 DGDN n'est disponible qu'en Sony et qu'en Helmut. Par contre, le 35 DG pour Reflex, lui, va entièrement fonctionner avec son R6 grâce à la bague R livrée par Canon. Et je l'invite à aller voir soit le replay du direct qu'on a fait avec Bastien Juif, soit celui qu'on a fait avec Gardère et Domaine. Gardère et Domaine utilisent toutes nos optiques Sigma monture Canon sur leur R5 et il n'y a aucun souci de compatibilité. Ouais. Hein, Dave Alf, mais je crois que c'est le copain de Manu, il me semble, deux photographes qui publient généralement ensemble, avec son 35 mm, il peut le mettre directement sur son R5 ou R6, plutôt R6, avec cette bague et il n'a pas besoin de changer d'optique pour l'instant. Alors, on en revient aux caractéristiques, notamment le suivi détection visage et des suivis de l'œil. Vidéo. La vidéo est un petit peu saccadée parce que ça, c'est malheureusement les mystères de l'Internet. Le débit aujourd'hui doit être quelque peu un peu perturbé, peut-être avec le temps. Mais autrement, c'est entièrement fluide, réactif. Vous voyez, là, on détecte tout ce que l'on veut très rapidement. Et ça, vous pouvez le voir. Je crois que c'est Damien Bernal qui l'a bien mis en valeur dans le test qu'il a fait. Donc là aussi, vous pouvez retrouver sur notre chaîne Sigma France YouTube, vous pouvez retrouver le replay du test de Damien Bernal. Voilà. Et donc, quelques images là qu'on va dérouler pour montrer la qualité de l'optique de ce nouveau 35. Détection des yeux, bien sûr. Par Sam Vision, qui était venu il y a la semaine dernière, hein, pour parler de cette nouveauté. Alors, les conditions de prise de vue étaient vraiment pas favorables. Hein. En ce moment, on est sur une période un peu humide. Mais voilà, il a quand même eu quelques bons résultats et on comprend que l'optique a vraiment du potentiel. Alors, je reviens sur Dave Alf qui nous dit qu'il a le 20, le 35, le 50, le 14-24, le 135, le 105 et le 85. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, alors peut-être moyennant une mise à jour qu'il va pouvoir faire avec le dock USB, mais autrement, ils vont tous fonctionner avec son nouveau R6 via la bague R de chez Canon. C'est ce qu'il dit, qu'il les utilise depuis 2 ans avec son boîtier R. Donc, voilà.
Non, donc, allez, on passe sur les photos, puisque je vois que le temps tourne, on arrive bientôt à l'heure. Bah voilà. Alors, toutes ces photos, bah, vous pouvez les retrouver dans les différents direct live. Là, c'est celui de SamVision, hein, c'est ça. C'est Sam, ouais, voilà, qui avait réalisé ces images où il parlait effectivement bah, de la netteté, de la qualité du bokeh, des contre-jours qu'il réalisait, qu'il adorait faire ça. Et voilà, donc c'est vrai que ça résume bien. Voilà. Alors, ouais, chez Sigma, on a quand même, pour les amateurs du 35, une belle triplette. Puisqu'on a vu le 35-1-2, on voit le 35-1-4 DGDN et également une optique qui est sortie en début d'année qui fait partie de la ligne Contemporary Eye Series qui est composée aujourd'hui de quatre optiques, le 24, le 35, le 45 et le 65. Et là, tu nous présentes le 35-F2 DGDN. Voilà, une série qui est très, très sympathique, moi, que j'affectionne aussi. Elle a une belle qualité de fabrication, elle est toute en métal, le pare-soleil aussi est en métal. On a accès à cette bague de diaph crantée avec une mise au point qui est assez douce et un produit qui est très léger et très compact. Et en prix, on est autour de 600 euros de mémoire. Donc voilà, une belle optique à acquérir. Alors, donc c'est une optique, comme tu l'as dit, compacte. Donc pour ceux qui sont adeptes de la compacité, leur choix va plutôt se porter sur cette optique. Par contre, vous avez noté bien sûr que par rapport à un 35-1-2 ou un 35, c'est plus compact, mais on n'est qu'à une ouverture 2 et non pas une ouverture 1.4 ou une ouverture 1.2. En photo, il y a des compromis à faire, donc à vous de voir si vous voulez un produit compact, un produit un peu moins compact mais plus lumineux. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a sorti trois optiques en 35. C'est pour que chacun puisse trouver objectif à son boîtier. Ah, et... ben voilà, avec le FP, voilà, ça fait vraiment un tout petit ensemble. Et on note qu'il est livré et que cette série-là est livrée avec un lens cap magnétique et qui, grâce à un petit support qu'on peut accrocher soit au sac à dos, soit au passant de ceinture, eh bien, on ne va pas perdre son bouchon d'objectif. Et Renault vient de remettre le test du 35F2 sur le chat, donc vous pourrez tout à l'heure aller voir un petit peu les résultats. Alors, comme pour les réflexes, il y a des focales fixes, mais on a également bien sûr des zooms et toujours 24-70, mais là aussi dans la nouvelle version hybride, hein, ce n'est pas une adaptation de la version réflexe, c'est vraiment une nouvelle optique avec sa nouvelle formule optique, son nouvel encombrement, son nouveau poids, bref, adapté au nouveau boîtier d'aujourd'hui. Oui, un 24-70 F2.8 qui est déjà une belle référence, un zoom transstandard de très très haute qualité, qui fait beaucoup d'envieux et qui fait le bonheur aussi de tous ceux qui le possèdent. Voilà, du 24 au 70, la qualité est là. Il me semble qu'après, on a quelques photos. Ben voilà, une là qui est réalisée au 24 mm. Hein, et on voit un petit peu ben, la qualité même sur les bords de l'image. Une photo qui est réalisée au 35 mm et ce qui permet voilà, de faire un joli portrait en lumière naturelle et de donner une information au spectateur d'où ça a été fait, voilà, au bord de rivière, sur un lit de rocher. Et puis après, la dernière image est réalisée, elle, au 70 mm, et où on voit effectivement la qualité, le piqué au 70 mm sur ces chardons. Je ne sais pas qui pique le plus, si c'est le chardon ou si c'est l'optique. Voilà, tout à fait. Et alors... Le 24-70, il est sorti il y a maintenant un an pratiquement. Il est devenu la référence des 24-70 et quand on voit la quantité qui se vendent et le nombre de photographes qui l'utilisent, c'est vraiment satisfaisant pour toute l'équipe Sigma. Et bien là, je crois qu'il va être dans les magasins très 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 prochainement. La nouveauté qui avait été annoncée par Katsuto Yamaki, le 28-70-28 DGDN dans la gamme Contemporary pour les gens qui veulent, pour les photographes qui veulent un peu de la compacité, de la légèreté et également un prix un petit peu plus léger. Oui, voilà, un produit qui est
un petit peu différent, mais optiquement qui a une qualité extraordinaire, hein, puisque les ingénieurs se sont acharnés à sortir un produit qui a vraiment beaucoup de piqué, comme le 24-70, le grand frère, mais avec un produit qui, du coup, commence qu'à 28 mm, mais plus compact, beaucoup plus léger, puisqu'on est à moins de 500 grammes, hein, 470 grammes, donc quelque chose de vraiment intéressant, petit, compact, idéal pour le voyage, qu'on peut compléter avec l'optique qu'on a vue tout à l'heure, le 24-35 dans la gamme iSeries, pour avoir deux petits produits dédiés au voyage. On avait invité Robin Jafflin sur un live pour avoir une petite discussion avec lui. Vous en aviez sûrement profité. Il a pu aller utiliser en avant-première et lui, bah, dans le secret, hein, puisqu'il était, même moi, je ne savais pas qu'il faisait ça, ce reportage, avec cette nouvelle optique, le 28-70 F2.8 DGDN Contemporary, et il a pu aller dans la dernière clouterie de France pour réaliser un joli reportage, et on le voit ici monter avec un boîtier donc Sony, alors que lui, il n'a pas l'habitude, hein, on lui avait prêté aussi le boîtier, parce qu'il a plutôt l'habitude de travailler avec du boîtier Canon, et les optiques Sigma, et bien, le voilà en pleine action. Voilà, donc petit, tout petit sur le boîtier. Alors, on rappelle que la gamme Contemporary n'est pas construite en alu comme la gamme Art, elle est en composite stable thermiquement, ce qui lui permet justement d'être un peu plus compact pour cette gamme Contemporary. Voilà, et on donc, peut voir. L'avantage du zoom, le voilà, c'est qu'on peut faire un plan large. Et voilà, avec un bokeh avant. Hein. Et puis, on rentre dans l'image, dans cette magnifique usine. Hein, qui... Et puis ici, donc avec au 70 mm, où il réalise un joli portrait. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure à Bertrand quand on se préparait, que moi, j'aime beaucoup aussi ces portraits comme ça, pris sur le vif, sans passer forcément dans un studio, sans passer avec de l'éclairage, encore moins du maquillage, mais voilà, des images comme ça dans le contexte, et ça fonctionne vraiment bien, et on réalise toujours aussi des beaux portraits. Donc, à vous, à partir du 19, de consommer de l'image. Faites tourner vos boîtiers avec les optiques. C'est ce qu'on appelle un portrait de la vraie vie. C'est la vie concrète d'ouvrier dans cette clouterie. Et vous voyez, le 24-70, le zoom, c'est l'avantage d'un zoom. Il y a des inconvénients pour certains, mais il y a des avantages. C'est que ça vous permet de vous rapprocher pour faire un plan serré sur un détail et puis de s'élargir quand on veut faire un plan large sans avoir forcément à bouger quand on est dans un espace restreint comme c'était le cas dans cette clouterie où il y avait des machines-outils un peu partout. Voilà. Je vois dans le chat que Guigui dit qu'il adore son 50 mm, mais que le 40 mm lui fait de l'œil parce qu'il a l'impression qu'il est meilleur. Oui, le 40 est encore un stade au-dessus. C'est vraiment une optique légendaire. C'est vrai qu'on l'a cette fois-ci, on n'en avait même pas parlé. Désolé, mais merci Guigui de nous faire ce petit clin d'œil parce que oui, ce 40 mm est une optique mythique que j'affectionne aussi particulièrement. Alors, c'est pas Guigui et 9, là c'est Guigui 19. Voilà, hein, monsieur Guigui et 9. Allez, on enchaîne sur les photos. Et voilà, encore un joli portrait comme ça, pris sur le vif. Et on remarque la qualité et le piqué de ce nouveau 28-70 qui, je pense, va donner envie à beaucoup de photographes aussi de le posséder. Donc, vous pourrez sans doute le voir dès la semaine prochaine ou en tout cas le réserver auprès de votre vendeur dès la semaine prochaine. Il va être à prix à moins de 1000 euros, donc abordable. Et vous pouvez faire des photos de vos enfants également. Voilà, avec des lumières naturelles prises sur le vif comme ça, où on inclut effectivement la chambre, les jouets, et on peut réaliser aussi de beaux reportages et de jolis portraits, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ici, par un joli temps hivernal, un temps de neige.
On enchaîne sur une nouvelle optique, toujours dans la gamme Contemporary et dans la ligne iSeries, le 45-28DG-DN. Voilà, hein, toujours donc dans cette finition toute métal, ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette bague crantée, cette bague de diaphragme, une optique que j'affectionne particulièrement, avec voilà, j'ai envie de vous dire que ce 45 est très particulier, et que les ingénieurs ont mis la bague de diaph vraiment sur l'avant de l'optique, ce qui va permettre d'avoir de près des bokeh, mais vraiment extraordinaires. Donc, pour ceux qui aiment faire du portrait, avoir une petite optique en voyage, une optique à tout faire, une seule optique, orientez-vous peut-être sur ce 45 et vous ne serez pas déçus. Alors, contrairement au zoom de la gamme Contemporary, cette ligne iSeries est en métal, elle est en alu. Et c'est vraiment une très, très belle fabrication. On retrouve un peu la tradition des beaux objectifs avec ces optiques-là. Et notamment, par exemple, les amateurs, les photographes Leica vont les adorer aussi parce que c'est de beaux objets. Voilà. Ah, et puis aussi cette mode aussi où on fait une double image, une où on prend la personne en scène et on va recropper une autre image de plus serrée comme ça pour mettre en avant aussi un portrait un peu plus serré, sans changer l'éclairage et quasiment en changeant très peu la pose. Voilà, possibilité aussi de faire des portraits avec beaucoup plus d'éléments que de personnages. C'est très graphique. Très graphique, très avec des noirs et blancs et des tonalités dans les gris qui sont intéressantes. Là, du portrait plus classique. Plus classique, plus académique, on va dire, avec un éclairage latéral par la fenêtre. Les peintres hollandais. Là, ce que donne ce 45 sur le petit FP, donc je vous rappelle que c'est le même boîtier, le FPL, hein, c'est le même boîtier, donc avec comme dimension. Donc ça vous fait vraiment des ensembles très compacts et très minimalistes, mais avec 61 millions de pixels pour le FPL, autour des 2000 € et qui vont vous permettre de faire de la photo vraiment très qualitative, sans se ruiner. Et Karamoko qui vient nous faire un petit coucou, qui était déjà passé sur certains lives, bonjour à toi, et puis il nous demande s'il y aura un 24 mm 1.4 DGDN. Moi je l'espère, je le souhaite en tout cas, mais pour l'instant zéro info. Alors on peut lui dire qu'il existe déjà le 24-35 DGDN dans la gamme des iSeries là qu'on est en train de voir, puisqu'on a le 35, le 45, et je crois que la photo d'après, ça va être le 65 F2 DGDN, si tu vois là. Et on aurait pu effectivement mettre le 24 DGDN dans cette sélection. Mais bon, une sélection, ça veut bien dire qu'il faut sélectionner un certain nombre d'optiques. Et le 24, bon, on ne l'a pas mis pour le paysage, même si certains vont pouvoir l'utiliser. Mais donc, pour Karamoko, il peut déjà éventuellement tester le 24-35 DGDN pour voir si ça lui convient déjà. Voilà. Et puis, je vois que Renaud parle de Alexandre Souêtre, qui a réalisé des images et qui vit aux États-Unis, un Français qui vit aux États-Unis. Il y a son lien sur le chat. Et effectivement, il a aussi une belle sensibilité au portrait avec de belles réalisations, donc allez voir aussi le lien. Je crois qu'il a fait une vidéo sur le 65 F2 justement, il a été un peu surpris et conquis par une focale qui n'est pas forcément très courante, hein, puisqu'on est entre un 50 et un 85, mais qui donne un cadrage intéressant et qui lui a bien plu pour faire du portrait. Et en plus, vous verrez, c'est une vidéo avec un esprit un peu plus américain, et ça nous change un peu des vidéos qu'on voit sur les chaînes françaises YouTube. C'est toujours instructif de voir ce qui peut se faire un petit peu, entre guillemets, à l'étranger. Et voilà, et puis on termine avec un beau portrait comme ça réalisé avec le 65 à pleine ouverture, et on voit bien la qualité, le piqué, la douceur, et puis le bokeh.
Voilà, pour vous montrer que c'est un ensemble relativement compact. Hein, le 65 est un peu plus encombrant qu'un 24, c'est sûr, mais c'est vraiment des optiques très réduites au niveau des dimensions. Le voilà. Et on va pratiquement finir par le classique, hein, ce qu'on disait, le traditionnel, le 85-1.4 DGDN, mais là aussi dans sa nouvelle version hybride, alors qui n'est pas une adaptation de la version du 85 DG qui existe et qui est déjà, moi, qui était excellent. Là aussi, c'est une version spéciale hybride, nouvelle formule optique, plus compacte, plus léger et encore plus qualitatif, puisqu'à chaque fois qu'on sort une optique, on essaye de s'améliorer. Oui, voilà. Donc, ce nouveau 85 qui avait été le premier de la série des focales fixes en hybride pour plein format et en ouverture 1.4. Voilà, un produit extraordinaire où on remarque, sur des plans comme ça, assez serrés, cadrés comme ça, juste sur un détail, sur un bijou. Quelque chose qui est sympa. Et cette optique-là est 30% plus compacte et plus légère que la version DG Art. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très maniable et qui est très apprécié des photographes possédant un nouveau boîtier hybride. Ouais, je regardais si je n'avais pas mon livre à côté, parce que de Jean Loussieff, non, je ne l'ai pas laissé, je l'ai enlevé, j'ai fait tourner. Mais effectivement, je vois que Jérôme Champagnat et Renaud parlent de Jean Loussieff où il utilisait le 21 mm Leica, ce que j'avais dit en début de live. Effectivement, il y a des déformations, mais ça peut être aussi ça, le portrait. Alors, sur justement, quand on parle de portrait, si tu passes l'image d'après, on va avoir la qualité hein, du 85, où on voit le grain de peau du modèle, qui est éclairé juste par la lumière de la fenêtre, mais on a un détail, un piqué, une qualité d'image qui est vraiment excellent et qui matche très bien avec les boîtiers hybrides qui sont équipés maintenant de gros capteurs en général. Voilà, ah, si tu peux me mettre en plein écran, comme ça je vais pouvoir montrer les photos faites avec du 28 mm par l'artiste JR, qui s'amuse à faire du très très grand format sur des murs en banlieue. Il prend les jeunes des cités en photo et avec son 28 mm, il va faire ce type d'image où il va carrément les déformer. Voilà. Donc ça aussi, je pense qu'il n'y a pas que l'optique qui déformait le visage du modèle. Ah, il y a aussi sa vise à faire des grimaces. Des grimaces, tout à fait. Et voilà du. Alors, je vais repasser en mode multi-écran pour un portrait que vous allez pouvoir bientôt faire, puisqu'on va pouvoir se rapprocher petit à petit entre. Ceux qui sont protégés par le fait d'avoir eu le Covid et puis ceux qui sont vaccinés, eh bien on va pouvoir faire des photos un peu plus rapprochées que pendant cette année 2020-2021. Et voilà quelques photos aussi réalisées avec le 85. Hein, c'était aussi en avant-première et c'est un photographe qu'on avait déjà invité et à Paris et sur nos lives, puisqu'il s'agit de Lyonnais. Voilà, hein, qui lui saute beaucoup, puisqu'il fait des photos d'artistes, danseurs, sauteurs, etc. Et c'est Tony Noël qui peut-être nous a rejoint aussi ce soir sur le chat, il devait passer nous faire un petit coucou. Et voilà, deux belles images de cet artiste pianiste. Et celle d'après aussi est très très belle, celle-là. Ouais. J'aime. Allez, on passe. Et bien voilà, Jérôme Champagnat qui nous dit à table, et bien on le salue. Et puis au live suivant, hein, je pense que ce sera sur le 20 ou le 21 mai. Et voilà, il va à table tôt. Et pourtant, c'est un jeune. Hein. Donc là, voilà, d'autres exemples de photos
qui vous permettent d'apprécier l'effet de profondeur de champ sur ce artisan lunetier. C'était également Tony Noël hein, qui l'a fait, puisqu'il a fait une série sur les commerçants locaux. Et je crois que Renaud nous a suggéré que ça pouvait être un thème d'un prochain direct live. C'est une photo de ce qu'on connaît de Tony Noël un peu plus. Hein, c'est la photo de danseur, que ce soit hip-hop ou de l'opéra de Lyon. Et là, on aime ou on n'aime pas la photo. Mais en tout cas, il aime cette optique. Voilà. On va finir avec une optique alors qui est surtout typée macro, hein, le 105-2.8 DGDN macro. Mais si vous l'avez pour faire de la macro, eh bien vous allez aussi pouvoir quand même l'utiliser pour faire du portrait, Damien. Bien sûr, du portrait et plus généralement du paysage, mais un joli portrait réalisé avec du 105, on a un petit peu plus de recul. Le sujet, s'il n'est pas à l'aise face à une optique, un appareil photo, se sentira moins observé et vous réaliserez de très très belles images avec un 105 ou une focale un peu plus longue, on va dire. Alors, comme pour les autres optiques réflexes APS-C, n'hésitez pas à demander des retours d'expérience, un petit peu comme là, on l'a sur le chat hein, en direct, puisque vous voyez que certains ont les optiques dont on parle et en disent souvent le plus grand bien. Et bien sûr, sur Facebook, sur le groupe des utilisateurs Sigma, vous allez pouvoir demander tranquillement que pensez-vous de telle ou telle optique. Et on va vous répondre. Quand je dis « on va vous répondre », ce sont les photographes, les utilisateurs Sigma qui vont répondre. En général, nous, on ne se mêle pas de répondre sur cette page. Donc, si vous voulez contacter directement Sigma, il faut plutôt aller sur la page Sigma France ou sur le site sigma-photo.fr et en utilisant l'onglet « Contact ». Alors, des petites questions un peu plus généralistes. Est-ce qu'une optique plein format est compatible avec mon boîtier APS-C, Damien ? Bien sûr qu'elle est compatible dans ce sens-là. C'est du 100%. Si on va utiliser, on va dire, un 70-200 sur un APS-C, vous aurez plus que du 70-200. Vous aurez du 300, voilà, 120-300, en 2.8 toujours, bien sûr. Voilà. Et j'aime bien le dire en petit rappel mémotechnique de la formule, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'une optique plein format peut aller sur un boîtier APS-C, le contraire n'est pas possible, sauf pour des boîtiers qui peuvent passer en mode APS-C, mais du coup, on perd l'avantage d'avoir un plein format, donc en général, c'est quand on est en APS-C, on passe en plein format, on peut réutiliser les mêmes optiques. Alors, nouvelle question, Damien. Les optiques fonctionnent-elles sur les hybrides Canon via la bague officielle? Alors, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui dans le live, donc oui, la réponse est positive. Et puis, Bastien, qui est passé tout à l'heure, l'avait reconfirmé encore. Donc, merci aussi à lui pour ce test et ce live qu'on avait fait ensemble. Alors, vous allez sur le site sigma-photo.fr et vous trouvez aussi quelques renseignements dessus, notamment éventuellement s'il y a des mises à jour, puisque vous savez qu'on a le doc USB qui vous permet de mettre à jour les firmwares, et notamment avec les bagues R, il y a des mises à jour régulières pour optimiser au mieux à chaque fois le fonctionnement. Donc, n'hésitez pas, et vous voyez d'ailleurs la photo qui est devant vous maintenant, ce vol de mariée, réalisé par Gardère et Domaine. Voilà, avec un boîtier hybride Canon, la bague Canon et notre 1424 série R en ouverture de 8. Voilà, une belle envolée de mariée. Hein, et puis, on avait sur le live, on voyait aussi, donc ça, c'est Damien qui possède le 1424. Et puis, il y a Sylvain qui est un peu plus haut dans son dos, qui lui fait la même image, cadrage légèrement différent. Et on voit plutôt le clocher de l'église aussi. Et on voit quasiment au même instant, il a déclenché. Et lui, il utilise le 135 1.8 à ce moment-là.
Voilà quelques images aussi qu'ils ont réalisées. Là, tu peux passer, puisque ça fait déjà une heure combien, 1h20 que l'on est ensemble et que vous allez pouvoir retrouver de toute façon toutes ces photos sur le replay de l'émission que tu as animée avec Gardner et Domaine. Donc, on va pas forcément tout repasser. Celle-là est vraiment intéressante quand on voit la tête de la mariée qui ne s'attendait pas à être envoyée en l'air aussi rapidement dans son mariage. Voilà. Et d'ailleurs, le mari est en train de dire, vous avez vu, elle a décollé de ça. Bon, peu cher. Et voilà, un des types aussi de photos qu'on peut faire pour du portrait, comme ça, voilà, pendant un discours où on met une personne très floue devant et puis le sujet bien net au fond. Alors, une photo intéressante, alors pas celle-là, mais celle d'après, qui est aussi très intéressante, puisqu'il y a la mariée qui a l'air de se dire « Bon, bah, moi, c'est fait, maintenant, à qui le tour ?» Et puis, comme tu le faisais remarquer, il y a la dame qui est à droite, les bras croisés, en disant « Surtout pas moi, ce ne serait pas la prochaine. » Donc, ils ont vraiment un œil à eux, nos amis Gardner et Domaine. Je les salue dans leur sud-ouest bien-aimé. Et vraiment, ils ont un œil très intéressant sur les mariages. Avec une façon de faire, puisque je crois qu'ils font 5-6 000 photos par mariage. Et donc, quand ils font un reportage, les mariés repartent avec vraiment une belle série de photos. Et notamment celle-là, la dernière, je crois, que tu nous présentes. Non, on revient quand même juste avant. Elle est belle quand même. Voilà. Hein, ils aiment aussi utiliser leur montagne pyrénéenne pour faire de la photo. Et là, on s'aperçoit... que les mariés, ils sont en pleine montagne, on aperçoit un chemin en contrebas. Voilà, c'est l'originalité de Gardner et Domaine de proposer des photos un petit peu différentes pour les mariés. Voilà, et puis Renaud met leur lien, comme ça vous pouvez dans quelques instants rejoindre et revoir un petit peu tout ce qu'ils ont fait aussi. Alors, on en a parlé un petit peu, on peut mettre les optiques Sigma monture Canon sur les R5, R6 grâce à la bague livrée par Canon. Mais si on a aussi des optiques Sigma en monture Canon, on peut les mettre grâce à la MC11 sur... du boîtier Sony, qui soit plein format ou APS-C, et vous mettez toutes les optiques Sigma en monture EF. Et les montures, donc les optiques Sigma monture Canon avec la bague MC21 vont aller sur les boîtiers qui ont la baïonnette Hellmann, que ce soit les boîtiers Leica, les boîtiers Panasonic ou nos boîtiers, le FP ou le FPL. Alors, avant de regarder si vous avez encore quelques questions, je rappelle, et c'est surtout Renaud qui nous rappelle, ne pas oublier vous qui nous regardez sur YouTube, de cliquer en bas pour vous abonner en bas à droite, hein, et puis n'oubliez pas le pouce vers le haut si vous avez aimé, on sera bien content de cela. Bon, ça fait 1h23 qu'on a commencé, hein, il est 18h53, on a répondu quand même à beaucoup de questions, notre ami Jérôme est déjà parti manger, donc on va peut-être, sauf s'il y a une ou deux dernières questions peut-être, là on peut regarder, mais autrement, on va rappeler que nous on se retrouve en fin de mois, Damien ? Oui, deux événements. Le jeudi 27, hein, où on a pris l'habitude, tous les trois, puisqu'on inclut toujours Renaud, bien sûr, tous les trois, de proposer vos photos, vous mettre à l'honneur. Hein, c'est les coups de cœur qu'on sélectionne, nous, par rapport à votre travail, à vos images que vous réalisez au fil des semaines. Continuez à poster sur le Facebook utilisateur Sigma. Et puis, on vous donne un deuxième rendez-vous. Ce sera la semaine d'avant. Théoriquement, on va inviter Camille Bracelet a parlé de la photo d'auteur. C'est une jeune photographe très talentueuse et elle aussi réalise de magnifiques portraits. Donc ça devrait être calé sur le vendredi 21, mais on va vous préciser ça un petit peu plus tard avec Renaud.
Eh bien, il nous reste à vous dire, à vous remercier de nous avoir écoutés, en espérant que cela a été utile. A priori, oui, puisque je vois que Thierry Lataste nous dit, nous souhaite une bonne soirée et nous dit c'était super intéressant. Au moins, il y en a un qui est intéressé, donc c'est déjà pour nous beaucoup. Damien, moi, je vais te souhaiter une bonne soirée, te donner rendez-vous dans 15 jours pour ce live coup de cœur. Et puis à vous tous les photographes, ben, profitez de la prochaine liberté qui s'ouvre à vous. N'oubliez pas d'aller commander vos dernières optiques, vos nouvelles optiques, notamment le 28-70, le 35-14 DGDM qui arrive dans les magasins. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et faites de belles photos. Damien, je te laisse conclure. Eh ben, merci Bertrand, merci Renaud, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et comme disait Bertrand, ben, ça y est, c'est bientôt la réouverture dans les points de vente, les magasins photo. Ben, nous aussi, on prendra aussi, Bertrand et moi, la route. Donc, on aura peut-être le plaisir de vous retrouver et discuter photos et produits à même un magasin. Pourquoi pas. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bon appétit, puisque Philippe et Véronique Legrand nous le souhaitent. Donc, bon appétit à vous, bon appétit à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.